Bah, on s'est ressourcé la première semaine et puis là on s'est remis bien au travail la deuxième semaine. Non, non, tout le monde a envie d'en découdre une dernière ligne droite. Voilà, on a un challenge qui est intéressant à jouer. Voilà, contre tous nos concurrents directs, voilà, on va voir si on a la capacité à aller chercher cette cinquième et sixième place. C'est le but. Ben oui, là on est sauvé, mathématiquement on est sauvé. Voilà, c'est que du plaisir à apprendre dans la rigueur qu'il doit y avoir, bien sûr, pour gagner les matchs. Mais il faut qu'on soit relâché, qu'on ait envie de gagner les matchs. Et il va falloir qu'on fasse, de toute façon, je l'ai dit, hein, il faut qu'on fasse une série. Si on veut rester 5-6e, il va falloir qu'on fasse la série qu'on n'a pas faite depuis le début de saison. Même si on a été régulier depuis le début de saison, parce qu'on n'a jamais perdu plus de 2 matchs d'affilée. On n'a jamais perdu au-delà de 2 matchs d'affilée. Voilà, on a été régulier dans cette performance-là, mais on a manqué de victoire. Non, parce qu'on est une équipe qui est jeune aussi. Voilà, il faut que nos joueurs soient relâchés aussi et qu'il y ait de l'insouciance aussi par moment pour faire une force dans notre effectif aussi, quoi. Prendre du plaisir à jouer, à aller chercher des victoires. Là, il faut qu'on se lâche, il faut qu'on lâche les chevaux et qu'on. Bien sûr, quand on n'a pas le ballon, il faut de la rigueur défensive, mais quand on a le ballon, il faut qu'on ait un peu plus de folie et un peu plus d'enthousiasme dans notre jeu offensif. Plus de risques. Mais on en prend des risques. Mais après, on a toujours pris des risques, hein, dans le jeu. Quand on a le ballon, on a pris des risques. Après, on a manqué d'efficacité aussi et de justesse par moment, qui font qu'on n'a pas été performant. Et on verra, hein. De toute façon, on y va bien sûr, pour le gagner. On va jouer pour le gagner. Et l'adversaire aussi qui est en difficulté aussi, donc 35 points aussi, eux, et ils sont dans l'obligation de gagner aussi. On va voir comment ils vont se présenter face à nous. Est-ce qu'ils vont jouer à 5 derrière? Est-ce qu'ils vont jouer à 4? Bon, on verra. Ils ont démarré. Leur dernier match, ils ont toujours démarré à 3 défenseurs axiaux aussi. On verra comment ils vont se positionner contre nous. Est-ce qu'ils vont jouer avec 2 attaquants? Est-ce qu'ils ont tout le monde aussi à disposition? Non, non, mais ça fait un moment. Non, mais ça fait un moment que Patrice les fait jouer comme ça. C'est pas par rapport à nous. Par rapport à nous, il y a Dijon qui sont mis comme ça, Metz qui sont mis comme ça, mais et après, ça n'a rien à voir, parce que nous, on a l'habitude de jouer comme ça et on ne s'adapte pas à l'adversaire, on joue notre jeu.